Bonsoir ton tube à essai. Bonjour ton tube. Ah, salut ton tube. Nous sommes en mais toi je te vois te taper depuis Sashida le squelette. Non, Sashida si. De la bulle. Eh bah tu as mal chargé chez moi, tu es un squelette. Et en plus tu as le titre détonateur de squelette. Ouais, le détonateur. Et bah ça c'est de la dynamite. D'ailleurs c'est tellement un bug récurrent dans le jeu qu'en vrai il devrait nous permettre d'avoir en costume le déguisement squelette en fait. Hein. Carrément. Tellement. Tu peux déjà te déguiser en tonneau, c'est déjà pas mal. En tonneau? Ouais. Ah oui, mais c'est une emote, non? C'est pas un costume. Je sais pas. Eh, tu peux te pousser de mon champ de vision, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr, bougez pas. Il est à droite, le 6 poste, voilà. Je crois, mon capuchet. Et on est avec Pardy, bien sûr. Oui, il est à droite. Ah, moi aussi, je suis un squelette, c'est marrant. J'ai pas chargé non plus. Normalement, tu devrais voir à travers moi. Dis-moi que j'ai pas chargé sur ton écran. Ah, si, si, t'as bien chargé sur mon écran. Ah, ouais. Bien sûr, t'as pas un doute. Ah, ouais, non, là, il y a zéro doute, frérot. Des tonales, mon royaume pour un tonal. Bah, alors YouTube, tonales, moi je viens d'arriver, je viens de lancer l'enregistrement, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on fait? On lance une fable. Le voleur d'étoiles, je crois, il s'appelle. C'est quoi, c'est une carte de capitaine? Hein? C'est quoi que vous faites, hein? Le voleur de capitaine? Fable de flibustier. Un flibustier, ok, d'accord. Doucement, je suis réveillé depuis 10 minutes. Enfin, un peu plus, mais quand même. Et heureusement que je me suis levé en avance. Hein. Avec 20 minutes de retard. Ouais, mais bon, mise à jour. Hein. J'y pouvais rien. Michel. T'es là, Michel. Je me suis levé avec de l'avance. Mais non, il doit y avoir un livre à côté de lui, ma poule. Oui, c'est fait. Il vend quoi, d'ailleurs, Michel? Je me suis fait douiller. Ah, tu lances d'étoiles. Ah. Prends ta gueule. C'est le mec qui a volé les étoiles pour les mettre dans les yeux de Parzival. Ah, dans les jeux de Parzival, mais pas dans les miens. T'as vu comment t'es frais? Merde, gros. Bon bah, Parzy, t'es sexy et moi je pue. Le pâté, même en plus. Mais de campagne, quand même. Tu vois, le vieux pâté, mais traditionnel, tu vois, cuit deux fois, t'as vu? Oh bordel. Bon, Michel, j'aimerais bien pouvoir t'acheter des trucs, alors ferme ta bouche. Oh, il m'énerve. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh putain. J'avais oublié que c'était ça. Pourquoi je peux pas déposer voilà. C'est bugué. Quand il aura fermé sa bouche, j'y retourne. Hein. Ah alors, voyons voir qu'est-ce qu'elle nous raconte. J'ai trouvé des trucs pas rangés sur ce navire. Alors, c'est possible. Alors là, je suis choqué dessiné. Je peux regarder la carte, mais je suppose qu'on pêche avec ça. North Star Sea Post machin, ouais, on pêche avec ça, allez c'est. Alors après c'est vrai que si j'étais un mec sympa, je sens qu'on va être dans la merde. Bon, on l'a déjà fait cette fable nulle là. Non. Toi tu l'as jamais faite? Ah non non, ça c'est. C'est pour aller dans un endroit où on n'a pas le droit normalement. Oui, mais rassure-moi, cette quête n'est pas ancienne. Enfin, elle est pas nouvelle. Elle existe. Ah non, c'est pas tout neuf, ça a au moins 3-4 ans. Ah ouais. Oh bah salut ton tube, tiens, regarde, je vais te poster une vidéo qui s'intitulera Ne sert à rien. Ça me fait plaisir ton tube à essai. Dis-toi au moins que j'aurais essayé. Elle est en train de nous filer mal à la tête, ce putain de truc là. Oh sinon. YouTube, j'ai une solution à te proposer, une alternative incroyable. Tu la vois venir à 10 000 km. Une petite session de pêche, comme ça. Genre, je les laisse faire une fable, moi je me mets sur le ponton, je pêche. Alors, je me fous pas de ta gueule, ton tube, quand même. T'as compris quelque chose à cette histoire? Bah, j'ai l'impression qu'il faut aller sur une île où il y a plein de trucs de. C'est de dessiner genre les cochons, les ours, l'oiseau, le crabe. Moi ce qui me fait tiquer c'est face à l'étoile polaire, ça veut dire qu'il faut qu'on attende la nuit, tu vas me dire? Bah ouais. Mais après faut réussir à se la trouver l'étoile polaire. Okay. Bah normalement c'est celle qui brille le plus. Bah officiel c'est une femme en fait, elle réfléchit en fait.
un truc de ouf. Je vois l'île où nous l'avons laissée à l'abri des regards. Michelin, ce que je comprends pas, c'est face à l'étoile polaire. Oui, mais face à l'étoile polaire, peu importe dans quel sens t'es, la risque que t'auras derrière sera pas là forcément pareil. T'es là près d'une lanterne suspendue et seule. Je sais pas. Moi, je connais déjà la réponse, mais j'ai envie de vous souhaiter une bonne pêche. Bah pêche, toi, fous-nous la paix un peu. Comment ça, tu connais... Comment ça tu connais déjà la réponse? Bah j'ai déjà fait cette femme. J'ai déjà dû la faire. Bah vas-y, aide-nous, Mario, là. Hello. Et l'autre, il cherche des livres pendant que je suis pas là, en loose. Il fait tous les succès en loose, et quand je suis là, il fait « Bon, on va juste faire des Athénas toutes pétées. » Super. Quoi des... Pour moi, faut aller à Crux. Crux? Pourquoi Crux? Parce que c'est l'endroit où il y a le plus de dessins. Ouais. Bah c'est Crux ou, ou Discovery. Ouais, j'allais dire plutôt Discovery, moi, qui a pas mal de dessins. Ouais, ouais. Y a des hippocampes dans cette connerie ou pas? Moi, je pense que vous avez tout faux. Vous venez de la commencer, là, ou quoi? Ah ouais, on vient tout juste de la tag. Ouais, ah ouais, je vois ça. Alors, je pense que ça peut être intéressant d'aller regarder dans vos objets. On a une carte de deal. Non, mais ça se passe qu'on vient de la récupérer. Dans vos items, il y a un item qui est apparu. Non. Ah non. Vous mentez. On a un putain de bouquin, c'est tout ce qu'on a. Et... Enfin, vous mentez, en fait, non, vous t'es à la menthe. Menthe, t'es... Oh putain. Oh, je vais le tuer. J'ai pas mieux comme blague. Arrête, parce que tu vas finir ta pêche au fer, toi. Ah là, aucune chance, hein. C'est pourquoi ça? Ça arrive, hein. Si jamais ça arrive, hein. Je vous explique comment je quitte l'équipage et comment je vais jouer tout seul, hein. Sur mon sloop, hein. Oh, il va aller. Vous m'aurez sabordé volontairement un poisson? Parce que bon, me mettre au fer, d'accord, mais pendant que je suis en train de pêcher? Non. Non, genre là, vous pouvez pas me mettre au fer, c'est pas possible. Je me demande si les trucs en bas à gauche là. Là, vous pouvez me mettre au fer, par exemple. Je viens de finir de pêcher. Les dessins autour de la truc là, du machin, là, de la longue vue. Je me demande si ça serait pas lié à une île, mais laquelle? Attendez, je vais vous aider quand même vite fait. Faire genre je suis concerné. Face à l'étoile polaire. Bah si, donc vous l'avez la loupiote, la machine là. Bah si, vous l'avez. Bah voilà, vous avez un item. Oui. Mais on a pas d'item. Putain, si. Il m'énerve. Si, vous avez ça. Normalement. Montre-la moi. Normalement, tu as ça. C'est quoi? Ce truc là. Non. Putain, tu vas me dire t'as qu'il pas y a que toi machin qui là l'avoir. Qui est dessiné là-dessus. Ça, si, mais j'ai pas le truc qui est dessiné dessus. Ah. Donc, tu n'as pas le truc qui est dessiné dessus. Non, j'ai pas le truc que t'avais dans les mains il y a 2 secondes. Si tu veux, j'ai la mienne. J'ai ça. Voilà. Avec ta grosse tête qui dépasse de ton bouquin. Et c'est tout. Du coup, faut qu'on aille à Runrower Isles ou Twins Grove. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pas la machine. Attends, là. Cousin Michel. Vous êtes sûr que parlez à Suds. Vous êtes sûr de chez sûr? Oui, sûr de chez sûr. Parce que moi, je pense que vous mentez en fait. On est d'accord que tu l'as bien dans la roue quand tu fais A espace, enfin A, quand tu vas dans les quêtes. Ouais. Après, moi, je l'ai peut-être équipé de base parce que je suis un connard, en fait. C'est nous, tu vois, on a le bouquin de quête et une quête récupérée ici, c'est ouais, tout. Ouais, mais vous, c'est nul ce que vous faites. Ça n'intéresse personne, en fait. Les objets, là. Oh, merde, putain, il y a vraiment que dalle. Wow, attendez, il faudrait que je vérifie un truc. Sur la carte, où sommes-nous? North Sea Post. À gauche, à Golden Sand. Non, d'accord. Non, ça c'est parce qu'en fait, comme un connard, j'ai ramassé dans un tonneau une petite carte et vu que c'était sur une toute petite île avec genre 3 trésors, je me suis dit waouh, c'est celle qui est juste au-dessus de nous, on a tout gagné quoi. Mais non. Non, c'est. Non, c'est Runrunner. Ça c'est pas. Bah, et de toute façon, au pire, tu sais quoi, on va aller à l'île au nord là, on va voir si Kia. Et pourquoi Runrunner Kia hein? Parce qu'en gros, tu vois, je suis introduction de la. J'ai le truc sous les yeux. Ah, toi aussi, t'as sorti le wiki.
Bah ouais. Ah, Ah, il y ils a un sont bateau qui bouge. désespérés. Ah, vous avez la lune. Vous avez les étoiles, le soleil et la mer. Hop là. Prendre le petit poisson vite fait. Il y a un sloop Le en avant guidon. gauche du bateau. Da-da-da-da. Merde. Ou laisse-moi deviner, toutes les étoiles qui brillent, ça représente quelque chose? Ouais. Bah, il y en a une là, le truc qui brille, mais je sais pas trop ce que c'est censé représenter. En fait, t'en as plein dans le ciel là. Il faut que tu trouves ce que Bah. tu. Faut que tu localises ce qui t'intéresse. Oh bordel. Voilà. Oh putain. Et tout ça pendant Alors. que je pêche, quoi. Ouais, bah démerde-toi, pêche. Oh, j'ai bien l'intention de me démerder tout seul pour pêcher, t'inquiète pas. Vous pouvez C'est compter quoi sur moi pour l'autre? vous faire vos objectifs de pêche. Garde la pêche. Ok, d'accord. Heureusement que Un je suis un truc qui pote sympa. ressemble à ça. Ou à. Il est où l'autre? Où ça? Y a quand même beaucoup Bah, sauf qu'on d'objectifs n'est qui pas traînent censé sur avoir terre, la quoi. longue vue pour nous faciliter la tâche. Que si on est censé avoir le truc que toi t'as dans les mains, on n'est pas rendu quoi. T'en as un au-dessus de la tête, Ouais, mais Farzi. j'ai. Faudrait vraiment que je sois sympa, genre. J'en ai un, je crois. Moi, j'en vois un autre dans J'ai mon le écran. scarabée de fer. Le vois plus. Voilà. Farzi? Ouais, 2 secondes. Là-haut. Mais vous avez écouté les dialogues du monsieur? Pas trop, non. Enfin, moi, non. Je voulais qu'il ferme sa gueule pour récupérer ce qu'il vendait. Bah voilà. Il y a un ordre Spécial précis quête ou on y anti-joueur va de à la sbeul? MMO, Il quoi, en fait. y a un ordre précis à faire ou pas? Ah, j'ai pas Bah l'ordre. ouais, le mieux c'est d'aller déterrer son. Comment ça s'appelle? Sa connerie, bah oui, mais. Sa longue vue. Il faut savoir où elle est. Face à l'étoile polaire. L'étoile polaire, c'est le machin qui brille, mais. Il y a plein de trucs qui brillent. Mais non, mais. Caractéristique particulière de l'étoile polaire, on l'appelle aussi l'étoile du. Berger, ça m'aide vachement. D'accord, on l'appelle aussi l'étoile du. J'en sais rien. L'étoile du Nord! Du Schnorr! C'est Oh l'étoile de putain. l'âge Picardie! Mais ça voudrait dire qu'il faut qu'on aille au nord d'ici. Bah, Ariel, mais je vois que Putain, ça. incroyable! C'est l'étoile du Père Noël, c'est C'est l'étoile de l'étoile de ta mère. Pardi. Non, on a dit pas les mamans! J'ai dit Merde, c'était l'étoile de putain! sa maman, j'ai rien dit d'autre. Je l'ai pas insulté, sa pauvre maman. Ah non, t'as dit l'étoile de ta mère. Bon allez, vas-y, go au nord là. Ben, plein nord. Putain, y'a personne qui va. Oh bordel, il a fini de râler lui. Je suis en Jamais. train de faire vos objets de pêche, hein. Faites pas chier. Oh, tu nous Allez-y. emmerdes avec ta pêche, toi. Non, tu Oh, fais quoi là? ouais, va chier, hein. Il braille qu'on fait rien quand on fait quelque chose, il braille, faut savoir. Il me casse. Les pêcheurs, vraiment, je pense que les pêcheurs dans ce jeu, ils sont sous-cotés en fait. Alors quand t'es pêcheur, t'es sous-coté tout le temps, quoi. C'est ouf, quoi. Ah ouais, non, mais elle m'intéresse pas, elle. Sorcière à nageoire. Et après, je crois que c'est une fois qu'on est sur l'île qu'on va devoir s'amuser à. Pourquoi je peux plus bouger? Ah, parce que je suis sur ce putain de voile. Mais comment tu veux savoir où il faut creuser? Bah, tu regardes les étoiles. Ah, merci, capitaine. Ah, on m'appelle Captain Ouais. Obvious dans le milieu. Oh bah déjà, moi je vais chercher les trucs qui brillent. Salut toi. Ça dépend, moi je l'appelle Capitaine Anus. Oh, ça par contre ça m'intéresse. Oh putain, au secours. Quoi, moi il y a que ça qui m'intéresse. Y a les copains. Quoi, tu veux te faire une forteresse sous-marine? Bah oui. C'est dans les objets modernes, c'est les nouveaux objets, tout ça là. En parlant de machin Eh, sous-marin. Oh tiens, tabasser y a un des boom. morues. Enfin que pour une fois dans un jeu, t'as le droit moralement de tabasser des morues. Il doit y avoir une sirène juste à côté de là où je suis. Mais faites d'abord votre fable, je vous en prie. Bah ouais. Oui, pas de soucis. Fais quand je suis là des objets que j'ai déjà fait et quand je suis pas là des objets que j'ai jamais fait, surtout. Connard. Comme. Putain de vacancier de merde, Ah mais vraiment. t'es descendu? T'es où, Parsi?
Alors, je te vois pas, Parzi. Oh non, il est cassé mon jeu. Ah si, t'es là, ok. Ah, bah là, en gros, tu as la longue vue, elle est là, donc j'ai lu. Bah ouais, mais non, c'est pas celle-là, ça. Aujourd'hui, César a rencontré un jeune blanc bec, un vrai bleu. Donc là, apparemment, faut qu'on se rende à. Plunder. J'ai rien compris, attends quoi? C'est de rencontrer un jeune blanc bec, un vrai bleu, un pur bleu de l'azur, il ne connaissait même pas l'étoile polaire, pas besoin de longue vue, il a, lui a dit Stud, c'est l'étoile la plus grande et la plus brillante qui bouge jamais. Oui, bah ça on avait remarqué. Trouve l'étoile polaire et tu n'auras plus jamais besoin de ta boussole. Et le jeune a demandé à Stud, tout sourire, et s'il pleut. Stud l'a grondé, pas le temps pour ces questions, faut attendre Plunder. Ah, ok, j'avais pas vu Plunder. Waouh, il y a un fort qui vient d'être fait là. Ouais. C'est GG. Donc méfiez-vous, bah, hein. Ouais. À partir de maintenant, c'est requin into kraken. Hein. Into squelette. Into joueur russe, bien sûr. Into tac-tac. Into paf-paf. Into pic-pac-pou. Pic-pac-pop, pic-pac-poulac. Voilà. Donc Plunder. Ouais. Bah Plunder, normalement sud-ouest. Même. Ouais, c'est sud, 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 léger ouest, léger est, pardon. Mon pet! Il vient de se casser la gueule. Ah bon? Bah, il veut pas que je le fume. Léger est ou léger ouest, tu m'as dit? Léger est. Oh, il a le temps. Ah, mais je le trouvais pas l'autre, mais d'accord, il est sur le 6 poste. Je suis en train de vous faire du budget là. Je vous fais du pognon. Je vous fais vos objets quoi. Même pas, ça me dirait merci, sous côté. Hein. Et puis tu veux un bisou aussi? Oui, mais sur la nu, et de la part de Pardy. Ah, bah c'est bon, je suis pas dans l'histoire. T'as entendu, Pardy, il a une demande spéciale. Ouais, je sais. Ça a l'air de t'enchanter. Rendez-moi mon mec. Genre là, je suis bonne. Moi, en vrai, mon seul regret, hein, c'est que mon mec là, il est pas trouvé, il est pas été embauché dans ma boîte comme conducteur. Sinon, je pense qu'on serait installés tous les deux à Paname. On aurait joué à Sea of Thieves, Joël. Tout le temps. Ouais, t'es plutôt pas mal là. Oh là là. Il est arrivé au volant de son car et fait hey allez matelot, sortez-moi les voiles. Pardon monsieur. Ah excusez-moi. Je reviens de dormir depuis deux semaines. YouTube, ce que je vous offre, hein. Y a aucun autre YouTuber gaming qui vous offre ça. Aucun. Aucun. Si vous en trouvez un là, vraiment, je fais un don de sperme à Pardy quoi, direct. À tout hasard, vu qu'on passe à Reaper, y a pas un bateau devant. Qu'on se fasse pas canarder parce que je vois rien en fait avec la voile. Ah, j'en sais rien, moi je suis. Tu vois, regarde, je te mets la gueule sur la map. Ouais, je vois ça, c'est pour ça que je pose la question. Bah écoute, si on se fait canard, on se fera canard, hein. Non, moi je suis en train de chercher un arbre parce que j'ai vu un arbre de 200 ans hier, mais je me souviens plus comment le type d'arbre que c'est. Que il a mis pour se faire des trucs. Reviens!
rien n'est mieux quand on est au chaud. Il aurait pu s'arrêter à Reaper, je suis en train de penser parce qu'il y a un Easter sur Reaper. La carte, capitaine. Un petit peu plus. Je barrais droit pour contourner Reaper. Oh là, tu l'as vu lui là? Oh putain! On fait quoi? On attend de voir s'il bouge? Ou on y va parce qu'on a rien à perdre? Bah on y va, on a rien à perdre. Ok. Enfin, à part qu'on est que deux au lieu d'être trois, parce qu'il y en a un qui est là-bas en train de pêcher tel un gros sac. Tu veux dire en train de faire du budge? Tel un dieu vivant? Non mais le pire c'est que je le vois à la distance où on est. On est loin de l'avant-poste où il est ou pas sur la carte? Extrêmement loin. Ah ouais, le North Star si possible. Regarde, je le vois encore. Ah ça y est, je le vois plus. Elle est grande la distance à laquelle je vous vois. Bon bah si on y va, on va peut-être bouger les voiles parce que là on avance pas bien vite. Voilà. Je suis vraiment en train de pêcher ça. Déception. Je suis une déception. Y a pas une île là-dedans? Si, je le lâcherai pas. Tu sais quoi, je vais le lâcher YouTube. Ça me fait plaisir parce que c'était vraiment de la merde. Un peu comme mon équipage finalement. Dit-il. Oh putain, c'est un galion, je crois. Enfin, on a un galion face à nous. Il est à l'arrêt? Non, il bouge. Ah, il y a un galion et un sloop. Ah, il y avait un caillou là, capitaine. Bah, c'est toi qui as la barre, c'est à toi de regarder. Hein. Ah, j'ai glissé, chef. Il est où le trou? Ah, c'est beau! Mais ouais, face à nous, on a un galion et juste à gauche du galion, il y a soit un sloop, soit un... Ouais, bah vas-y, bah les couilles. Soit un brig. Je vais laisser ça à la barre, je vais mettre le nez là-bas dedans. Alors le galion, je le vois. Caillou peut-être devant, non? Ouais, ouais, caillou, oui. Bah ouais. Plutôt que de regarder les bateaux, on me dit même pas ce qu'il y a devant moi. Ouais. Eh oh, d'accord. Eh, il est plus sur la carte. Par contre, je peux te dire que je suis derrière toi. Bah, je te sens pas. Moi non plus. Il vient de dépop ou quoi, le bateau, là? Le sloop, possible. Par contre, il est toujours là, le galion. Et je pense que c'est le sloop qui a des pop. Tu vas me dire qu'ils ont coulé le sloop à peine pop, le galion? Bon, on peut se faire la question. Il te dit qu'il nous fonce droit dessus. Oh putain, sérieux? Et qu'il se met à prêt de tirer là. Non, c'est bon. Ouais, enfin. Non, il fonce pas sur nous, il fait le tour de l'île. Ouais, j'espère qu'il va pas arriver de l'autre côté. Hein. Ouais, de toute façon, va arriver de l'autre normalement. Côté. Non, il va vendre à l'avant-poste. Il va vendre au truc des barons là. Vous allez vous faire soulever. J'ai envie de te dire, il peut nous couler. Hein. Y'a pas grand chose. Par contre, faut qu'on vienne faire quoi sur Plunder? C'était l'avant-poste ou c'était l'île Plunder qu'il fallait qu'on aille? Ah, je sais pas, là on va à l'avant-poste, mais J'ai vu Plunder, mais je sais plus si c'était l'avant-poste ou pas. L'avant-poste, il a fait demi-tour. C'est loin, il fait quoi? Non, il prend au large. Ouais. Ouais, j'ai quand même l'impression qu'il veut venir nous dire bonjour. Hein. Oh, il y a des trucs qui brillent.
Qu'est-ce que c'est? Bah ils ont coulé le sloop. Il y a le journal de bord et le pavillon. Ouais, j'étais dessus. Ah, là j'étais pas dessus par contre, oui. Ouais. Ah, tu sais quoi? C'était le revenge. Et bah il a rien fait. Je sais pas quoi, mais tu vas me le dire? Voilà, maintenant vas-y, viens mon galion. Je le vois plus. Ah, il est là. Ah, il tourne autour, mais je sais pas trop ce qu'il fait. T'es sérieusement en train de charger la caisse? Bah ouais. Voilà. Maintenant vas-y, viens. Bon, bah en attendant, moi je continue mon déjeuner. Tire toujours au large. Mmh. Oh putain. Alors, téléphone. Téléphone. Oula. Ça bouge, mais dans quel sens? Non, ça bouge pas, ça continue d'avancer. Ah oh putain, il y avait un coffre à déterrer. Oui, sur Chicken Isle. Et quoi? Sur Chicken Isle? Bah c'est pas à la deuxième carte là. Mais non, mais ça c'est une carte aléatoire que Knarfang a chopé. Ah mais sur l'île où on était, il y avait un... Bah oui. Il y avait trois coffres, pour être exact. Et t'aurais pas pu le dire avant, toi. Salut Akane. Bonjour mes petits piou-piou. Yo Aka. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, ça va. Bah dis donc, ça a l'air avec cette voix... énergique. Ah non non, pas énervé, juste dépité. Ah j'ai dit énergique, pas énervé. Ah j'avais compris, énervé. Oh bah non, là, non. En effet. Bon. Ah, énervé. Pourquoi dépité? Bah... On a eu une quête qui est claire comme de l'autre source. Ah. On y pige rien. Ah, ah. C'est pas Chicken, ça? Ça m'intéresse. Ah, c'est pas Chicken, la carte. Si, c'est Chicken. Si, c'est Chicken. En forme d'os de poulet? Bah ouais, mais il y a pas autant de cailloux que sur la map. Ah. Peut-être pas Chicken. Ouais, tu... Plein d'or. Bah si, c'est Chicken. Ah mais regarde sur la carte. Il y a plein de cailloux sur le bord de l'île à gauche et il y en a pas sur la carte. Ah bah ouais, non. À la tronche, c'est Chicken, mais ça ressemble pas à Chicken, c'est ça le truc. Et l'autre petit... Attends, on revient sur Chicken, sans trop zoomer. Et Ouais, non, j'ai rien dit. J'allais dire celle du milieu de Snake Island, mais en fait, non. Bah du coup, Aka, tu veux venir avec nous ou pas? C'est Boulder Cay. Ah, c'est ça, Boulder Cay. Bah là, je suis dans ma voiture, je suis garé, mais je suis dans ma voiture, donc je viens pas. J'ai fait un test hier en faisant le tutoriel. Ouais. Et la latence, elle est tellement vénère, c'est quasi injouable. Donc toute seule pour un tuto, ça passe, mais à mon avis, en game avec d'autres personnes, ça va être compliqué, quoi. D'autant qu'il faut que j'apprivoise un peu la machine, tu vois bien. Mmh. Donc pour l'instant, écoute, je vais certainement faire des petits bouts de quête solo pour voir un peu si j'arrive à gérer la latence. Et sinon, tant pis, ce ne sera pas possible. Ça me fait chier, mais tant pis. Bon, par contre, je vais régler la sensibilité de mon micro parce que sinon vous allez avoir le moteur dans les oreilles.
L'angle est bon, mon capitaine. Ah ça y est, t'es de retour toi? Ouais. Hélas. Hélas. Genre et... ça te dépite. Ah ouais, en plus je suis arrivé, niveau de déception maximal. J'ai vu que vous étiez passé à côté d'une épave sans vous arrêter. Ah mais c'est pas les épaves qui nous intéressent là. Waouh. Si les épaves ne t'intéressent pas, je vois pas ce qui peut t'intéresser dans le jeu en fait. Objectif, finir les fables avant que je reprenne le boulot. Tu reprends le boulot quand? Lundi. Ah. Et ça va être tendu. Est là... On est à la 4 sur 5, c'est ça? Là. Pas tant que ça. On est à 4 sur 5. Si on en fait, allez, 2 voire 3 aujourd'hui. Ah, on est à 5. Parce qu'il y a l'art de la pigeuse qu'on a fait. En gros, il nous en reste 4. Quoi. On en a fait la moitié. Mais vous revenez sur Runrunner Isle, là ? Vraiment ? Bah ouais, il y a un coffre à déterrer là-bas. Il y a un coffre antique à déterrer. Bah je suppose que c'est le coffre avec la... Quoi ? Avec la longue vue. Bah ouais. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, sloop ! Je décale légèrement ouest. Bah, vous avez déjà bien bossé. Ok. On a déjà bien bossé, on a rien foutu, mais ouais. Ouais, c'est déjà mieux que rien. Comme ça, on aura confirmation de si c'est l'avant-poste ou si c'est l'île qu'il faut qu'on aille voir. L'alliance des Salty Tormentors. D'accord. Ah non! Oh, bonjour monsieur! Tu veux faire quoi? Tu veux te le faire? Je suppose que la réponse est oui. Non. Pourriture capitaliste! Putain, vraiment, la houle, c'est l'enfer. Hein. Bon. Peut-être ben un jour je le toucherai. Ouais voilà, ah, bonjour, juste monsieur. Ce que je vous dis, on va pas avoir le choix normalement de les faire. J'étais étonné qu'il y avait qu'un bateau, mais bon, écoute, ça y est. Par contre, la houle, vraiment... Oh, vraiment la mer, hein. Vous n'avez dit pas la mer, mais quand même l'océan, quoi. Est-ce que vous pouvez lever la voile à l'avant, s'il vous plaît? Oui. Je vais pas faire ça. C'est levé mon capi-chef. Celle-là elle est bien. Moi c'est trop bas moi, beaucoup trop bas. Ça touche ça, je sais même pas si ça touche. Si si ça touche, ça touche, ça touche. Moi ça touche clairement ouais, pas. Ça pas. Touche, hein. Ouais, c'est trop bas pour ça. Bon il coule apparemment le galion là. Sérieux déjà? Ouais 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 ouais. Ah ouais il coule. Ah merde, moi je suis trop maintenant fort. Maintenant c'est le sloop. Viens dire bonjour petit sloop. Vous avez pas l'angle là je crois. Non, non pas on encore. A pas l'angle pour le sloop. Pas encore. Ah pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça y est c'est bon. Normalement ça touche là. Enfin si ça touche pas des vagues, ça devrait toucher le bateau. Ah tu passes à travers les vagues. Mais non. Mais il est en train de couler lui aussi. Ouais, il a coulé. Ah bah ils sont tous morts. Alors ils sont morts de je ne sais quoi parce que là ils sont morts de je ne sais quoi. Oui moi je les ai pas touchés hein. Là le jeu nous a dit tenez des kills gratos. J'ai trop d'effectifs en mort vivant, v'là des kills. Alors il y a des trucs qui brillent déjà mais j'arrive pas à voir. Il y a masse trucs qui brillent hein. Je vois qu'un truc qui brille mais Je vois tellement de trucs qui brillent dans l'océan et je vois tellement un truc qui brille sur le navire. Oh pardi tu brilles tellement fort. Pourquoi je peux j'arrive pas attraper pas là un harpon voir où le sloop a coulé par contre. Ah
Quoi? Il y a un bateau. Par contre, faut que quelqu'un grabe le loot hein, avant qu'il dépop. Hein. Faut grabiner le loot avant que ça dépop. Le loot à droite là. Si, si, bah, ça coule super vite en plus les loot. Quoi? Allez, le jeu te fout pas de ma gueule. Le jeu te fout pas de ma gueule. Allez, merci. Du coup, je suis désolé, mais en favor. Oh putain, il y en a un bâbord et un tribord. Génial! Bah, de toute façon, c'était obligé. Hein. Généralement, il pop par deux après. Touché! Ah non, même pas. Oh, vas-y, vas-y, fais-nous face! J'aime quand tu nous fais face! Je sais jamais ça touche. Hein. D'accord. Par contre, ça, ça veut dire que ça va faire boom. Ah, ça aurait pu toucher. Hein. J'ai plus l'angle pour celui-là. Et j'ai plus de boulet! Par contre, on est d'accord qu'on n'a pas été touché une seule fois. Non. Ils sont où? Ah, derrière. Ah bah non! Il gerbe partout, le monsieur! T'es chopé, t'es sauté au... Putain, je gerbe partout. T'as sauté au loot, toi? Bah oui, parce qu'on a plus de boulet de canon, en plus. Ouais. Donc, j'ai sauté au moins pour aller actualiser les loots et les regrouper. Ça, c'est un bâton de mer, tout le monde s'en fout. Ah, prends la barre Hachi, s'il te plaît. Hachi? Ça chie pas. Hachi, parmentier? Ouais. Ah, ça touche! Voilà, je suis à la mer, je leur fais quand même des dégâts. Oh putain, je gère partout! Putain, y'a des loots partout dans l'océan là! T'es trop à droite. Ouais, je sais, mais tu peux aller en dessous, parce que vu que je gère partout, moi je vais pas réussir à... Voilà, là j'ai la barre droite, tu vas pouvoir taper. Non bah non, la barre droite avec un... Enfin, bref. Allô. Le jeu, il a du mal hein, des fois. Hop. Et c'est bon, ça coule. Ça coule. Bah, il y a plus de musique, il y a plus rien. Ah mais t'as pas dit qu'il y en avait deux tout à l'heure? Ouais. À mon avis, ça coule mais ça coule pas pour longtemps. Non, ça coule toujours pas. C'est vrai qu'on commence à être un peu sharp là niveau Mais il y a une caisse de stockage dans le coin qui traîne avec tout plein de boulets dedans. Si tu parles de celles qui sont sur le pont, non. Elles sont vides. Elles déjà sont vides, j'ai tout vidé dans nos barils, y a plus rien. Ce que j'ai rangé, vous savez. Mais Aïe. J'ai besoin de bouffe. Ce qu'on a, je pense, parce que les deux on ne finira jamais, je pense. Faut absolument qu'on remonte ce qu'on a. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait vraiment bien même. Attends, y'a un truc même bugué en l'air là. Attends. Ah, c'est genre une bourse de munitions qui est buggée, c'est ça? Non, le jeu il a vraiment fait ça. Oh. Une bourse de munitions qui est buggée. C'est quoi les violets? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas regroupé? Ah si, parce que j'ai groupé. Je vais réactualiser ça. Hop. Et où mon poulet? Dans l'eau. Dans l'océan. En train d'actualiser les loots les plus proches du rocher. Vas-y hein. Et on là, a plus de poulet mais on a encore des trucs comme ça. Hein. Des autres loots pour... Essaye de te rapprocher au pire de lui. Hein. Ouais, bah je le vois pas. Non, non, mais récupérez d'abord ceux de vos galions là, puisque les deux autres je suis en train de les actualiser. Pour l'instant, je me suis pas encore fait tuer par un requin. Ouais, mais faut qu'on les bute. On a plus de boulets. Ah, ça c'est dommage. Donc, ah oui. Putain, je suis morte.
Bah repère, normalement tu devrais voir des mouettes dans le ciel, non? Ah non, vu que j'ai touché les loots, y'a plus de mouettes. Bah ouais. Mais moi je te vois. Putain, mais offre. Bah dans ces cas-là, prends la barre, parce que tu me vois. Tricheuse. Mais je suis mouru. Deux secondes. Non t'inquiète, je suis au pasteur. Enfin, je suis au vaisseau des damnés. Okay. Mmh. Parce que là le bateau il coule vite hein. Bah écope, j'arrive. Ok, on va dire que c'est rangé. Hop, je suis en train de respawn. Je vous vois pas là en fait. Je pense que vous êtes en train de mourir de décès, de déception, non? Non, t'inquiète, je gère. Il est face à nous là tout de suite. Non, il est pas encore. Ah si, je peux te dire que si, il est face à nous là. Là, il est à droite là maintenant. On a encore un trou, il est où? Là. Ah, vous devez être derrière la vague là, c'est pas possible. Vous êtes à des années-lumière ou bien? Ah oui, vous êtes à des années-lumière. Il y a du loot sur votre passage à première vue. Entre vous et moi, il y a du loot hein. Allô? Ouais, c'est un peu compliqué là. Là, vous avez des mouettes à votre niveau aussi hein. Oh, putain, on est en train d'arriver vers Reaper. Ah ouais, on a bien dévié, ouais. Ah, je vois, c'est violent hein. Vous avez tellement l'air d'être en galère. C'est incroyable. YouTube est en train de bouger, sachez-le. On bouge vraiment plus là par contre. Mais peut-être qu'il faudrait réparer votre mât, ou sortir le mât, ou ce genre de choses. Sortir la grand voile. Alors certes, on a plus de boulets, mais on a encore quand même quelques planches. Et glisser sous le vent, quoi. Bah ouais, j'aimerais bien, mais c'est un peu compliqué quand t'es tout seul. Téléphone qui merde. Il est à notre droite. C'est sûr que vous en sortez mes canards ou ça se passe comment là? Je peux commencer à redresser doucement la barre. De ouf hein. Redresse. Il est face à nous. Ah toi tu me parles de Knarfang, moi je croyais que tu me parlais du... Ouais non, le bateau là tout de suite on s'en fout, on a plus de boulet. Non mais le bateau ça sert à rien si vous avez plus rien pour tirer dessus. Alors, ceci dit vous pouvez toujours tirer du incendiaire dessus hein. Ça... Bah c'est ce que je fais hein. Ouais là, mais madame, ah. Mais trop toi. Mais, sauf que si sa cale est inondée, ça sert plus à rien. C'est ça le problème. Bah ouais je sais aussi. Bah donc arrête de tirer dessus et juste navigue jusqu'à moi pour récupérer des caisses de mune. Mais on arrive Michel, on arrive. Et vous pouvez continuer tout droit, n'allez pas spécialement sur moi. La direction que vous avez prise elle est pas mal pour récupérer l'autre pack de loot. Alors, t'as un problème encore toi en manché? Je le vois pas l'autre pack de loot par contre. Aïe. Un jetez une encre là, vous êtes trop loin. Jette l'encre. Oh là bah, là, jette l'encre. Mais c'est une catastrophe, vous êtes incapable de naviguer, au secours. Faites quelque chose. Mais bon. On fait ce qu'on peut pour éviter de se prendre un trou dans le cul. Et pourquoi Sashida elle est à la nage? Parce que je pensais que l'encre allait jeter un peu plus vite. J'avais pas vu qu'il était pas à l'encre. Ça sert à rien, Pardy. Arrêtez de tirer dessus en fait, vous voyez bien que vous lui faites rien. Ah mais moi je tire pas, moi j'ai sauté, c'est pour ça que donc j'ai sauté. Donc en fait genre juste manœuvrer jusqu'à récupérer de quoi tirer dessus en fait. Voilà, donc là faut écoper, oh secours. Si il y a une encre à lever. Allez, je remonte la voilure. Voilà, hop, je remonte l'encre. C'est bon, t'as écopé? Bah ouais. Ok. Mais c'est pas les voiles tout de suite. Ouais, c'est bon, j'étais resté trop longtemps sur le bateau, le jeu a décidé. Ça va toucher. Je vais me rediriger parce que Sashida elle me voit, donc vers le loot. Ouais, mais je suis en train, t'inquiète, je le vois le loot. Tu le vois le loot? Ouais, je te vois, enfin, je te vois et je vois le loot. Quoi. Lâche pas ça, toi. Hop là. Donc ça sert à rien d'aller vite ou d'aller loin puisque vous êtes quasiment à portée de grappin. Vas-y, je bouche les trous. Non, par contre, l'autre il est où le trou sauce, hein. Non, récupère ma boîte. Non, eh, Pardy. Allô. Eh, tu permets deux secondes? Non, ma boîte d'abord, parce que t'as des munitions là-dedans. Tire-les. Comment vous parlez là, genre. Putain, Non, parce que là, tu peux le tirer du coup, l'autre connard, pendant que j'actualise les loots.
Sans angle de vision, c'est un peu compliqué. Mais angle de vision, ça tu l'avais. Ça donne des ordres comme... Oh là là. D'accord. T'es en train de me dire qu'il y a trop de gens qui t'aiment et que tu ne me vois pas ? Aïe ! Est-ce que c'est ce que t'es en train de me dire, Pardy ? Faut alors qu'on bouge, hein, parce que là, je bouche un trou, il y en a un autre qui bouge. Bah tu peux venir sur la direction suivante, là où je suis. Ah bah, deux secondes, je suis en train de boucher les trous, Michel. Ok, t'es là. Est-ce que je serais genre un dieu vivant si je faisais ça ? Aucune chance que ça passe. Alors, trop de fuite de canon au milieu. Hop, attends, attends. C'est bon, qu'à le réparer, il n'y a plus d'eau. Vous êtes en train de me tenter, les petits canards, hein ? T'es où, toi ? Ah. Moi, je te vois pas, t'es où ? Sur le navire ennemi. Ah oui, officiel. D'accord. Ouais, si tu alors, peux mais ceux qui nous tirent dessus, ça m'arrangerait. Maintenant, ça va arrêter de nous tirer dessus, crois-moi bien. Suivant, on a oula. Dit à côté du caillou, c'est ça? Bah, normalement, je m'étais dit. Ah, les squelettes dessus, qui mais... gênent tout le temps là, c'est un sup. C'est bon, barre droite. Alors, je vais monter à la vigie parce qu'on y voit. Ils ont pas de barre de poudre à mais bord. Non, 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 va pas à la vigie, y'a des trous dans la cale. Y'a pas de trous, Michel! Ouvre tes yeux, j'ai tout réparé! J'ai dit y'a plus rien et l'autre il vient de nous buter tous ceux qui étaient en train de nous tirer dessus donc j'ai le temps. Ouais, par contre si vous pouvez faire un trou vite fait dans leur cale ce serait sympa là. Bah, il est en train de tirer. Bah, oui bah justement j'aimerais bien pouvoir si c'est possible avoir quelqu'un qui me dirige un peu à gauche à droite. Alors on a un trou dedans mais c'est pas la cale. Ah je sais je peux pas être partout hein. Je suis désolé mais. Vas-y je suis là Michel. Nous ce qu'on recherche vraiment dans notre métier avant tout c'est des trous en cale. Bah ouais, je sais. Parfait. J'ai un trou dans leur cale. C'est bon, vous pouvez cesser le feu. Cesser le feu. Ouais, non, cesser le feu, c'est bon. Je tiens le combat. Tiens, pars-y. Je tiens la crise. Je me suis mis devant le trou. Il est hors de question qu'il soit réparé, ce trou, jamais. Ah. Oh par contre ils m'ont fait pop une armée de skeurs, hein. Je m'en bats les couilles. Vas-y j'ai le... Eh vas-y tu sais quoi je viens avec toi. Il est où le trou ? Non c'est bon, ils le répareront il pas. Ah, sinon, ils on a ne le répareront pas, leur vie est un échec. Ils ont tous échoué et ils essayent de me tromblonner. Et pourtant c'est la victoire. Et c'est la victoire du joueur français. L'envolée lyrique. Ah, non. Le sabordage ultime. Le crime. Merci le jeu quand je veux ouvrir mon inventaire pour prendre de quoi me soigner. Je ne peux pas. On prend des boulets mais pas du tout en cale donc ça me va. Voilà, je suis mort de noyade mais normalement leur navire et là, normalement leur navire devrait finir de couler tout seul je crois, non? Ils ont coulé là, rassurez-moi. Ah, il coule le navire là, je l'ai sous les yeux, il coule. Ouais, il coule. Ah. Je suis en train de me dire quand même, c'était quand même vachement long. Eh, le jeu il gratte à fond hein, quand même. Hein. Mais grâce au trou que t'avais fait au pont intermédiaire, ça accélère un peu le processus une fois que la cale était remplie. Je cherche le loot qu'on avait devant nous il y a deux secondes, mais je le vois plus. Ah, franchement, j'ai défendu mon si, trou. Si, devant nous. Titre. Tu peux avancer encore un peu avec le battle. Ah, bah y'a plus personne. Ah, si, c'est là. Tu peux avancer un peu pour récupérer juste le loot qu'on a vu tout à l'heure avant qu'il dépop. Qui est devant Juste devant le bateau, il est. Je sais pas si tu peux le grab. Le truc c'est que je le vois pas. Il est dans l'axe où tu regardes. Dans l'axe vraiment tout droit genre. Tout droit tout ouais. Droit. Oh non. Je t'ouvre un peu de voilure mais je vois rien. Vas-y t'inquiète je... Ah oui c'est bon, ça y est je le vois. Je le vois, il avait pas chargé pour moi. Non, il y en a encore un autre. Oh putain. Non, récupère d'abord ce loot. Vas-y, normalement j'ai ce qu'il faut. Grappine. Ah il y en a deux encore. Non non tu grappines, ouais. tu gères solo. Ah je suis une brêle au grappinage moi mais tu ouais. Tu es toute seule. Parce que moi j'ai des munitions. Merde. Oula. Mais ils font chier, y'a combien de milliards de squelettes au mètre carré ici? Bah on est dans la zone de spawn donc bon ça m'étonne pas. Ouais mais quand même. Pousse-toi putain, houle de merde.
rien entendre, je vais peut-être aller écoper moi. Non, non, tu récupères le loot. Je... Récupère du loot. Tu es un loot. Ouais, bah bon. Tu es un loot. Tu n'es rien d'autre. On est plus en train de couler qu'autre chose. Non, 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 tu es un loot. Interdit de réparer. Bah vas-y, écope alors. Hein. Exactement. Et par contre, on en a deux qui tirent là, donc ça va être un m'en fous, tu es un loot. Tu récupères tout le loot. De but. Ouais, t'es sûr? Mais t'as pas fini de récupérer le loot surtout, en fait? Mais j'avance, Michel, je peux pas grappiner de là où je suis. Patience, bordel. Non, putain, pas tellement, mais on avance en fait. Rien. Patience, Ah d'accord, je explique comprends ça à nos voisins. Pas. Putain. Tu m'étonnes qu'on se fait canarder, on est en langue de jeter. Bah oui, hein. C'est pas moi qui ai géré ce navire, j'étais en train de tabasser des gens précédemment. Ramasser la caisse de stockage? Aucune idée. Par contre, Pardis, si tu pouvais ramener ton boule là. Il est bah... il y a la flotte en train de ramasser des loots. J'actualise les loots. Ok, excellent. Mais attends, s'il y a le non, mais pas besoin d'écoper, hein, tu peux vraiment, genre, tu es juste un loot. Hein. Tu es une femme loot. Voilà, c'est tout. Vas-y, fonce-moi dessus, toi, bâtard. Hop. Voilà, on va pourquoi nos canons pour sont comme ça, ça. Ah oui, à cause de leur boulet de merde. Enculé, bouffe. On avance bâtard. Pas. Let's non, mais c'est un sketch, l'ancre est levée, la voile est baissée. Ah, ça y est. Voilà. Des planches, ok. Des bananes, des fruits. Eh merde, j'ai avancé trop vite. Des fruits, des bananes, des planches. Hop. Hop là. Hop là, toi tu coules pas, tu restes là, Michel. Hop là. Allez-y, moi je suis sur le sloop là, défoncez le sloop. Je peux pas là, on est occupé à faire du ramassage de loot. Eh, eh, tiens, 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 regarde. Je te dépose un truc. Je te dépose un truc. On peut pas. On est très occupé. Moi je veux bien, mais faut tourner ce navire à un moment donné si vous voulez que je tire dessus. Ah, tu veux tirer et tourner où? J'ai rien. Bah pendant que t'as rien, moi je continue à ramasser. Hein. Nique ta mère, tu tireras jamais sur mon bateau, enculé. C'est bon, t'as deux trous dans ton sloop. Ramasse une caisse de stockage, je sais pas ce qu'il y a dedans par contre. Mais bah justement, il y a des boulets dedans. C'est pas grave. Mais c'est peut-être pas celle que toi t'avais. C'est pas grave, récupère tout. Et l'autre, c'est une caisse de terra. Je la pose au milieu à côté d'un mât. Du mât de la vigie. Sous la cloche. Hop, je vais chercher la dernière caisse et après on pourra bouger. Pour non, tu répares pas ton bateau. Rêve. Il me refaudrait un trou dans le sloop, s'il vous plaît. Récupère cette caisse et j'arrive. T'as touché ou pas? Non. Ah oui. Là, ça a touché chez nous. Mais nous, on se fait démonter, hein. Ouais. C'est bon, on peut décoller pour ce loot-là, je les récup. Bah, tu peux décoller, hein. Pour aller au loot suivant, hein. Ah, mais je sais pas où il est le suivant. Ah, je viens de mourir. Bah, il était derrière, là où Pardy a touché, en fait. C'était l'erreur qu'il fallait que j'ai faite et qu'il a fait. Faut pas toucher au loot, c'est vrai que maintenant, il ne coule plus, ils mettent des mouettes au-dessus, tout ça, tout ça. Bon, il faut bouger, là. Pourquoi on bouge pas? Mais parce que je suis morte, connard. Oh, mais putain, mais pourquoi t'es morte? Parce que j'ai pris un boulet, trop de balles. Mais putain, mais pourquoi? Par plaisir, rassure-toi, c'est pas un comment plaisir ça, pas par plaisir? J'aime me faire péter le cul, mais pas par des boulets, tu vois. Putain, l'autre, il lui donne tout, quoi. Il lui sort son gros galion, il lui envoie ses bonnes grosses boules, et elle est pas contente, quoi. Ah, oh, putain, on a un amas de pété, donc on va pas avancer bien loin. Non, les planches, c'est pas là, putain. Ça commence à être un peu court en planche, je pense. Non. Non, on est large. Ah. Te pose pas de questions, va chercher des loots. Non, d'abord, je remonte le mât. Et navigue avec l'autre mât. Mais l'autre mât, à mon avis, doit pas être loin de péter aussi. C'est pas grave, l'autre mât. Wouhou. C'est pas je gère celui-là. Toi, navigue. Fais-nous bouger. Moi, je répare des mâts, ok? Moi je suis en train de me faire des scuds depuis tout à l'heure. Hein. J'empêche le mal de là tirer. Colle-moi des planches là-bas dedans. Je sais pas où on va. Démerde-toi, c'est ton boulot, t'es un loot. Mais oui, mais je sais pas où ils sont les loots, moi, Michel. Bah tu te débrouilles. On m'en a pas dit, il y en avait derrière nous. Il y en a à droite, là tu vois bien. Regarde, il y a des mouettes à droite.
Bah attends, je suis en train de faire 3-6 dans l'autre sens là. Merde! Ah! Qu'est-ce que tu fous à la flotte? Putain! Ah, et puis alors, c'est le moment où l'autre il me fout un obus dans la gueule. Quel plaisir! Ah, et moi je jette les seaux d'eau à la. J'ai pas besoin de toi! Débrouille-toi avec les loots! Va-t'en, j'ai pas besoin de toi! J'ai pas besoin de toi! Oui, mais je sais pas où je vais, donc faut bien que je serve à quelque chose aussi. Des mouettes! Regarde dans le ciel, il y a des mouettes! Et à la base, c'était derrière nous! C'était ouais, pas je suis à l'eau, là. Pour rien. T'as vu où des mais bien sûr, Pardy a enregistré l'azimut, donc il a pas donné une azimut. Bah, bien sûr. Bien sûr. Où t'as vu des mouettes rien, quoi. Bah, bien sûr. Va falloir que vous me disiez où vous voyez des mouettes, les gars, parce que soit je suis bourré, soit y'a pas de bon, mouettes. Bon, alors, combat. Tue les gens. C'est pas grave. Ouais, bah d'abord, va falloir relever. Si je peux pas repérer les loots, tant pis. Tue des gens. Y'a des boulets de canon. Beau faire le tour, je vois pas de mouettes. Putain, je prends tellement ma race en bas. Hop. Attention, on va rebouger assez vite, je suis en train de relever l'ancre. Et il y a une voile de baissée. Bouge pas. J'ai encore un trou là-dedans. Hop là. Bon, très bien. Repasser les pièces. Hop. Une pièce. Hop. Une pièce. Ah! Retourner, réparer les bêtises. Qu'est-ce que je fous là-dedans? What? Je suis dans mon échappe et je peux pas revenir sur le jeu. Non! C'est j'ai pas besoin le moment de personne me faire ça. À la répa. Ça va rentrer dans la tête des gens, ça? Eh, moins personne de gaz, à la répa. Moi j'étais pas là depuis tout à l'heure, alors calme-toi. J'ai besoin te plaît. De. Va te faire un. Bon, personne à la répa. Débrouille-toi. Bon, Nagique, tue des gens, trouve du loot, démerdez-vous. Pas mon problème. Vous avez entendu? On s'en fout de ta vie, on est occupé. Je suis obligé d'Alt F4, je peux pas revenir en jeu, donc débrouillez-vous pour que je revienne. La haine, absolue. Ouais, ça marche. Je suis bloqué, j'étais dans le menu d'équipage et je pouvais pas revenir. Rends-moi mes canounes. Putain. Voilà, maintenant venez, bande de bâtards. Eh, hey, y'en a des fils de pute qui nous tirent dessus, tu m'étonnes qu'on prend cher. Non mais si y en a plein le fiac, tant pis, hein, on leur rentre dedans, on en caque un comme des gros tardes. Bah là il me faut juste un trou sur le galion et ça pourrait être bien, je suis en train ça de chier peut pas, ça peut pas, y'a personne à la navigation, y'a qu'un type à la répa. Donc t'es sauté à la mer et tu me l'as pas dit. Je t'explique bien, démerdez-vous. Bah ouais. C'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, hein, être parti pêcher pendant une demi-heure, c'est démerdé. Ferme-la. Donc chacun sa merde, non? C'est pas ce que t'as dit tout à l'heure? Exactement. Bah voilà. C'est parfait, j'ai trouvé une petite île avec un ponton, je m'arrête pour pêcher. On dit chacun sa merde. Hein. Un sympa le mec. Hein. Sachida. J'arrive, 2 secondes, je suis pas encore en jeu. Ouais. Planche boulet sur toi, bouffe tout ça. Quoi? Je prends la barre. Bah parce que tu vas en avoir besoin pour réparer, tuer des trucs et des machins. T'es sur quel navire déjà? Le galion? Non, je suis revenu là parce que je suis mort. D'accord. Donc je suis là. Eh bon, je suis de retour. Très bien. Donc là, il y a plus de bateau qui nous accoste. Ah oui, c'est un peu la merde en boulet, ouais. Ok, je vais prendre le vent comme ça. J'ai pas regardé s'il y avait une voile avant. Est-ce qu'on a la voile avant de déployer ou pas? Non. Ah, très non. Bien. Non. Parfait. Parfait. Yul, caillou des connards. Vous allez avoir le galion sur votre droite. Bien, monsieur. Prêt à tirer, mon capitaine. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Remplis les. Enfin, vire les trucs qui sont vides. Ah, ça sera le sloop d'abord. Oui. Non mais allô, excusez-moi, est-ce que je peux parler s'il vous plaît? Parce que j'en ai rien à foutre de vos petites vies. Ah bah la même, hein. Ce qui m'intéresse c'est que Pardy, tu en fait je vais vous mettre le sloop à gauche. Ah, ou alors peut-être à droite puisqu'il a décidé de braquer. Excusez-moi, il sera à droite. On va aller le percuter, hein. C'est le projet. Et moi je monte dessus et je les défonce, c'est voilà, ça. Voilà, exactement, tu tabasses les gens dans la cale. Et moi je fais des trous. Et toi tu fais des trous. Voilà. Et juste après, regardez, je vais planter l'ancre, vous voyez le loot? Vous voyez le loot?
Encre, encre. C'est bon, j'ai. Bah, il coule. C'est bon, il est coulé. Donc j'ai sauté à l'eau. Loot mes canards. Non, non, t'as pas sauté pour rien. Tu vas avoir, tu peux nager directement en direction de notre ami le galion qui est droit devant nous. Regarde à gauche, il vient de hop sur l'eau. Y a des gens qui pop. Alors je remonte une voilure. Vas-y, parti, plonge, plonge. Vas-y, let's go. Ah, le bâtard, il a accéléré. Oh, c'était beau ça. C'était beau ça. C'est beau ce que tu lui mets. Hein. Oh, Sachida, t'es magnifique dans le meurtre. Hein, ah ouais, vas-y, continue. Ah, j'ai plus de boulet. Prends Knarpang, mets-le dedans. Ah, j'ai plus l'angle. Moi non plus. Qu'est-ce que c'est, le machin qui vole derrière? C'est un bug. D'accord. Ok, on pivote, on tourne. Allez, vas-y, tourne. Encore. Putain, bâtard. C'est bon, j'ai l'angle pour toucher. On s'est fait démater. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, on est statique. Ah, par contre, on a tellement pas la vague avec nous. Merci, mon jeu. Touché. Moi, dès qu'ils me voient à l'eau, ces bâtards, ils braquent de l'autre côté. Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment tirer très devant, en fait. Je suis descendu vite fait boucher les trous, on a 3 trous. Pourquoi on tourne plus? 4, 5. Bah, peut-être parce qu'on vient d'avoir une encre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ils viennent de lâcher l'encre. Oh, les bâtards. Écope, 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 écope. Écope, vite fait un petit saut. Là, ça commence à être un peu la bouse là-dessus. Vas-y, on est bon. Je reprends les copages. Oh, les bâtards. Attendez, bande de salopes, j'arrive. Tu peux pas aller les pourrir sur leur navire, s'il te plaît? Si, j'y vais. Ils nous ont remis l'encre. En fait, le problème, c'est que là, ils nous pourrissent à coups d'encre tout le temps. Ouais, ouais, bah attends, c'est bon, je suis dessus. Sachida, si tu peux les allumer, ils vont être à ta droite. J'arrive, je bouge juste le trou, parce qu'on a un trou qui coule en continu. C'est pas grave, j'irai le boucher moi-même. Okay, j'irai le boucher, tire-le. Ah putain, mais sors de là. J'y vais moi. Il est où? Ah. Ah ouais, vas-y, ils prennent l'eau. Ok. Vas-y, allume un peu, allume-les un petit peu. Ah mais la barre est pas du bon côté. Putain, ouais, bah, ils ont lâché l'oc, les fils de pute. On gère tout ce qu'on peut gérer en même temps. Vas-y, barre un peu à gauche, Michel, barre un peu. Vas-y, encore. Vas-y. Là, tu vas en avoir des trous. Vise bien. Normalement, je devrais être dans l'axe là. Hein. Putain de houle. Ah, ça, c'était beau ça. Ah, mais putain, mais j'ai encore plus de boulets, c'est pas possible. Putain, y a trop de boîtes sur le pont, là. on sait même pas c'est laquelle qui a des boulets, c'est celle-là, ok. Ouais bah y'en a plus beaucoup des boulets. Ils ont intérêt à couler vite, ces fils de pute. Bah non, justement, il faut tirer en dessous de la ligne de flottaison. Oui mais c'est bon, t'as réussi à l'avoir là, y'a un trou dedans dans cette merde ou pas? Bah ouais, y'a plusieurs trous mais ça veut pas, l'eau elle veut pas monter. Non mais je parle dans la cale tout en bas. Y'a un ou plus, y'a zéro trou ou quoi là? Y'a zéro vraiment... trou, l'eau elle remonte pas, y'a un connard. C'est... Il reste rien. Putain, je vais leur faire bouffer leur boulet d'encre. Ah, ils me rendent dingue. C'est insupportable, hein. Vas-y, je vais gérer la barque pour qu'on puisse aller les canarder, ces fils de... Non, mais ça sert à rien, on est en train de tourner déjà là. Oui, mais faut qu'on tourne dans la bonne direction. Mais on tourne dans la bonne direction normalement. C'est juste qu'à chaque fois ils nous foutent une encre. Quelle arme voit ça ? Mais regarde, on tourne dans la bonne direction, on est bon hein. T'as un trou. T'as deux trous. J'ai plus de boulets.
Mais comment ça, ils arrivent à vivre sous l'eau, eux? Oui, ils arrivent à vivre sous l'eau, c'est des squelettes, mec. Ils ont pas besoin de respirer. Normalement, c'est bon, hein, t'as ton quota de trous, hein, me fais pas chier. Hein. Ah, je suis plus sur le bateau, je viens de me faire tuer. Non, tu déconnes, non. Eh, non, frérot, ça fait 10 minutes que je suis sur le bateau, là. Saute, toi, Michel, le temps qu'il repop, au moins tu seras. Y'a pas une caisse de stockage là-dedans, non? Hot, je me démène corps et âme à les démonter. C'est bon, ils sont en train de décéder. C'est bon, ils sont en train de décéder. Je vais juste m'assurer qu'au milieu, ils arrivent pas à réparer la dernière planche. Quand tu vas pop, aide-moi à Icop parce que là on est en train de couler et on coule violent. Ouais, et bah il me faudrait un trou de plus du coup. Ils ont eu le temps de réparer ici. Ah ouais, j'arrive, je suis en train, je suis en chemin. Faut juste un trou. Juste un trou et c'est bon. Fais le trou, j'arrive à Icoper encore. Va faire le trou. Juste vous faites un trou, vous me dites à peu près où est-ce qu'il est, comme ça je le défends, corps et âme, et on est bon. Je vais essayer de le faire sur le nez du bateau. Où tu veux, tu me dis juste où est-ce qu'il atterrit le boulet, hein. Le reste je m'en fous. Oh putain. Ouais, est milieu. Il est au milieu. Parfait, c'est bon, je l'ai vu, j'ai pas besoin d'autres trous. Je vais t'en faire d'autres, moi, des trous. Ah non, c'est bon. Économise les boulets. Ouais. Est-ce que tu peux venir juste mettre des planches, un petit parzé? Parce que là, ça va commencer à être un peu plus sportif. Mais bon, normalement, ils pourront jamais réparer ça. Putain, sors! Oh, l'autre, par contre, comme il m'a tapé un speedrun de planches. Non, crève. Crève, Sharon, j'en ai rien à foutre de ton ping zéro. Va te faire enculer. Mais moi, il m'a fait la même tout à l'heure. Ouais, non, mais ils se tapaient quasiment vu qu'ils sont en ping zéro, les skeux. On a gagné. C'est bon. C'est une victoire, les poulets. Yay, bah putain. Voilà, comme quoi il faut pas laisser Pardy sur les bateaux, faut me laisser moi, ouais. C'est bon, Pardy, tu gères, on est en nul. Étape. Enfin, en planche. Ouais, c'est bon, il est bon, il est parfait. J'aime bien, c'est la personne qui pose une question, c'est Narfang qui a. Bah oui, mais c'est parce que je suis arrivé sur le bateau en même temps, j'étais en train de mettre la dernière planche. C'est pour ça. Oh ouais, t'inquiète, c'est bon, c'est géré en fait. Oh là là. Elle est où la deuxième boîte, putain? De toute façon, Pardy, si t'étais un homme, t'aurais le droit de parole, mais bon. Stocker la salade dedans, stocker ça là-dedans, blum 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 blum. Normalement, il n'y a plus rien de ce côté. Je vide les boîtes parce que j'en ai plein le fion. Merci. Hop. Voilà, ça c'est une boîte de vide. Terminé. Je suis vite fait à la flotte voir, mais normalement, il n'y a plus rien. Ah si, ça coule! Si, il y en a plein normalement. Il y a plein de loot partout. Ouais, mais c'est en train de couler. Alors, actualise le loot. Ah ouais, bah attends, faut que j'arrive. Il y a un peu de loot. Hein. Et il y en a aussi à bâbord. Hein. Bah pourquoi je tourne à bâbord à ton avis? Hop là. Parce que t'es idiot. Il est où le dernier? Normal, je tiens. Il est où le dernier? Là. Il y a trois crânes qui sont en train de remonter et un rubis. Et un coffre. Viens là le coffre. Tu viens me dire que je suis trop loin? Moi j'étais mort. C'est tout. Là où je suis, il y a du monde. Il y a des trucs. Je suis là-bas, l'arrière droite du bateau. Non, avancez pas! Voilà. Bah si. Et donc voilà, ça vous apprendra la prochaine fois à lancer un navire sans avoir fait le plein. Je vous ai vu, hein. Ouais, bah à la base, on aurait pas dû se les faire. À la base. Et là, Kraken, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Bah on voit flou. Bah Kraken, à la base, on coulait puisqu'on est en train de tourner, on avait rien sur le bateau. Je viens de te dire, on voit que son encre, hein. On est dans le noir direct, hein. On doit avoir 20 boulets de canon. On est dans le noir direct. Ah, j'ai un requin au cul! Ah, on a 37 boulets de canon avec ceux que je viens de déposer, c'est impressionnant, non? Y'a moyen de me tirer un coup de. Hein? Titre. Pas grave. Ça va falloir t'arranger avec ton homme, je pense, pour ça, hein. Mmh. Ça titre bien, ça titre fort. Delta! Bute-moi le requin que j'ai au cul, s'il te plaît! 54 boulets! Oh, on est refait, on est large! Ceci dit, j'ai une bonne nouvelle quand même. Sachez que dans le cadre où on rentrerait en combat, on a plus de planches que de boulets. C'est pas mal ça. On a de quoi voir venir. Ok, bon. Y'a un coffre-boîte de vide? Non. Ouais, bah, tu c'est peux pas grave, poser sur le pont et vider, hein, vas-y. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, il va être vide. Parce que j'ai trois crânes à récupérer.
Vas-y. Allez hop. Hop là. Bon, si j'ai bien compris, visiblement le rangement du loot ce sera au milieu du navire. Ça a l'air d'être parti de pointe comme ça. Non mais pour l'instant tu permets, je grave. Non mais y'a pas de. Non mais. Tu te calmes, Denis. Ah. Tu mourrais. Je suis pas tout le temps en train d'engueuler des gens. Eh, la morue, elle est mourue. Ouais, la morue, elle est mourue. Mais t'as eu le temps de récupérer le loot ou pas? Ouais, je le vois arriver. Non, je suis morte avec un requin. Normalement, le coffre est juste à côté du bateau. À l'arrière gauche, oh là, mais en ayant mis les choses dedans ou t'as pas eu le temps de mettre les choses dedans? Non, j'ai pas eu le temps. Bah vas-y, replonge, hein, parce que let's go. Parce que let's go. Ouais, mais d'abord, je vais buter ce fils de pute là. Vous pouvez pas le harponner le caca là? C'est le moment où on entend des coups de pas dans la direction où ils sont. Ah. Hey, Knarfang, est-ce que tu peux récupérer le loot quand je le grabe, s'il te plaît? Ouais. Ah, ils sont deux! Au secours! Hop, j'en ai flingué un. Je crois que c'est le galion du capitaine, ça, non? Ouais, bah ouais. J'ai une vague impression comme ça. C'est peut-être les 2 tonnes de coffre et les 2 tonnes de crâne de capitaine squelette qui me disent ça. Peut-être. Hein. Mais c'est putain, arrête la boule! Putain, j'en ai marre! Y'en a pas un de vous deux qui peut m'aider? C'est ce que je dis aussi quand je suis bourré, c'est arrête la houle! Ah, j'ai dit oui! Oh les sbulles, y'en a un qui peut me buter un des deux requins qui est en train de me péter le cul, ça fait 2 fois que je meurs alors que j'ai pas le temps d'attendre. Où, à l'arrière là? À l'arrière gauche, mais là je suis morte. Ils tournent autour du coffre. Mais ils font ça super bien, c'est ça que t'oublies de dire. Et ils sont deux? Ouais, bah c'est le problème, c'est qu'ils font ça très très non, bien. Y'en a qu'un, tu vois. Tu, bah oui, j'ai buté l'autre avant de crever, bah, mais. Moi j'ai récupéré ton coffre. Ah oui, en plus t'as même pas récupéré le bout de viande de requin. Ah, j'ai tout récupéré. Bon, j'ai fait tout ton travail quoi. Hein. Mais t'as récupéré les deux. Le mec est juste arrivé, il a sauté les miches dans l'eau à 3 mètres. J'ai fait tout ton travail coffre, là, vraiment. Ouvre le coffre. Il faut que je porte assistance à Pardy là. Bah ouais, c'est ce qui me semblait. Tu veux que j'y aille sinon à la nage là? Je te touche un coup. Akane! Quoi? Ils m'énervent! Ils écoutent pas ce que je leur dis! Akane, je crois qu'elle a envie de caner. Vous vous énervez un peu tous pour rien et vous vous parlez comme à des chiens, donc moi ça me tend un peu alors je ferme ma gueule. Ça fait 4 fois que je leur dis putain, butez-moi ces requins que j'aille chercher ces loots avant qu'ils coulent. Résultat, les loots ont probablement coulé et on a toujours pas buté les requins! Si, ah, les deux sont morts. Je peux rien faire pour toi! Si, les deux sont morts et j'ai récupéré le loot. Non, t'as récupéré un coffre vide, espèce de guignol, je t'ai dit que j'arrivais pas à atteindre le... Tu veux dire que t'as fait 3 mètres du navire et t'as jamais rien fait d'autre? Je suis parti, j'avais pas de life. Non mais moi je pensais que t'étais compétent pendant un instant, tu vois ce que je veux dire. Allez, ouais, vas-y, y'en a un qui ramène sa fraise là. Vas-y, je te pète le cul. Je te trouve fort vénère cette fois aujourd'hui. Je déteins très vite sur les gens. Excellent. Hop, on va se mettre comme ça pour avoir le nez. Nah, fils de pute. Bon bah j'ai une caisse à vous ramener mais j'ai pas ce qu'il y avait avec. Comment ça? Il est moins 20, bon ça va, j'ai un peu de temps. Comment ça? Tu veux un dessin? Tu veux que je te réexplique ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure et que ça fait 2 fois que je me fais buter alors que je vous demande de buter ces requins de merde? Bah ça y est, il est mort le requin. Bah oui, en attendant que je repop 2 fois de suite, enfin 3 fois de suite maintenant. Eh ben, le loot il a disparu, mon capitaine! Bah, faut plongeax, non? Ah, mais y'a plus! Que je plonge, y'a plus! Y'a encore un truc qui brille, c'est normal, c'est le coffre-boîte vide! Je précise bien vide! Oui, mais vide, on en a besoin quand même! Il est où? Je le vois même pas! Il est de là où je viens! Ah ouais, bon, j'y vais! Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas compris pourquoi vous êtes parti, j'étais juste à côté avec les. À portée de grappin! Bah pour éviter justement que le loot du capitaine... Ah putain, si je le vois. Je le vois là où il y a le crâne. Chope le coffre boîte et rejoins-moi là où je suis. Putain, c'est à perpète les oies. Attends, t'es où? Là. Je suppose que tu vois pas mon pseudo, mon petit knar. Si, je vois ton pseudo, c'est le loot que je vois pas. Mais j'essaie de venir en trajectoire d'interception. Le loot, il est en train de couler, donc je vais le faire remonter. À une lettre près, ça passe de knar à autre chose, hein. À une lettre près, ça passe de knar à autre chose. Ça passe à caf. Il manque un haut et ça devient bien, quand même. Ok. Bon, ça va, il a pas tout à fait coulé. Attends, je vais lâcher la boîte, je vais remonter aussi des loots. Vas-y, j'ai remonté l'autre. Ok, parfait.
Les trois là, c'est bon. Ok, nickel. Y a moyen. Elle est où la deuxième clé du capitaine, Sandré? Je sais pas, sur le pont. C'est bon, sous on la tonne de loot. Posée. Elle est où la deuxième tête? Là. Putain, mais. Non, y'a manqué un. Elle est trop fort. Non, non, c'est bon, j'en ai ramassé un. Regarde. Ouais, mais tu l'as posé? Y'a trois loot dedans. Attends, je peux pas l'ouvrir. Ouais, c'est bon, vas-y. Tu peux bien la refermer parce que par contre, sinon, je vois rien. Ah, bouge pas, attends avant de te le refermer, j'ai des copains qui t'emmerdent un peu. Hop, c'est ils bon, sont il combien, est fermé. Ils sont au nombre de combien tes potes là? Deux. Deux. Ouais, je suis mort. Bouge pas, j'arrive. Allez, roule, je l'ai flingué à l'autre. Merci. Ah putain, j'ai l'inventaire. Tu as flingué, mais est-ce que t'as récupéré le steak de quinquin? Oui, je l'ai dans les mains. Et oui, le coffre-boîte. Oui, c'est ce que j'allais dire, je viens de voir un coffre, non? Oui, on était venu pour ça quand même. Hein. Il est où? C'est bon, je l'ai. Ok. J'ai en main. Allez, direction. Parzi. Bon bah je suppose qu'on va à un avant-poste avant de retourner sur l'île à la con. Il y a une chance. Bon, il y a plus qu'une chance je pense, il y a même une vérité. Bah en vrai là... Là on est quand même bien gavé. Hein. Oh la là, quantité de crâne je viens de voir. Quantité de crâne et la quantité de coffre de capitaine, rien que pour ça. Même plus le coffre cendré, parce qu'on a eu un coffre cendré pour... Celle qui a un compte de noble, c'est intéressant. Hein. Tous les crânes. Je les mets ici là. Ok, non, j'étais parti les foutre en bas moi, mais ok. Bon, parce que là, les crânes. Vu alors que après, je crois que dans notre direction, il y a un pêcheur, donc si vous voulez, genre lui lourder tous les rubis, avant de se faire douiller par exemple par des pirates, ça peut se faire. Il y a le North Star Post, ouais, là où on est, et derrière, il y a Golden Sand, donc ouais, on peut avancer Golden. Et après, Sipost et après Golden. Ah. Tiens, cuisine. Tiens, prends-moi ça. Merci. J'ai pas regardé la direction. Devant nous, léger gauche. Ok. C'est moi ou je viens de voir un autre truc qui brille encore? Non, l'autre truc qui brille, c'est un truc de merde, c'est rien. Ah, c'est un bâton de la sirène. C'est un bâton de ses morts. Il m'a semblé voir derrière nous, c'est pour ça que je vais regarder. Je déteste en plus ces bâtons qui ont exactement la même couleur que les émeraudes qui brillent au loin. Je déteste ouais, ou ça. Ou un crâne. Ou un crâne, ouais. Ouais. Et tu sais jamais si c'est un crâne ou un émeraude. Et tu te fais douiller tout le temps. Et sinon, au pire, il y a Reaper à côté. Hein. Oui, on peut tout aller brader au Reaper Hideout. Mais si quelqu'un a besoin de réputation de quelque chose. Ouais, bon, en vrai, non, on s'en fout. Oh non, moi je m'en carre, moi là, putain. Bah, allez, hein. Reaper, c'est à gauche, hein, c'est ça? Ouais, c'est le truc qu'on voit à gauche. Ouais. Et là, on peut tout leur vendre, hein, donc nickel. Bah, on met le drapeau à l'avant ou pas? Il faudra aller le voter chez eux, le drapeau. Le drapeau. Ouais. Le drapeau. Ah, d'ailleurs, on a vu que sans drapeau. Ouais. Bah, bien sûr. Pour les fables, on a rien à gagner, donc forcément, on a vu que sans après sans drapeau. Bien sûr que ça évite que les gens viennent nous péter le cul. Bien sûr que bon, je vous laisse pour plus tard. Ça marche, okay, bisous Aga. Bah, bien sûr que si, tu gagnes toujours des miles en fait. Ah, mais on s'en fout de ça. Ah, bah. Mais même maintenant, les miles ça compte quand même. Même si tu navigues pas pour un. Comment ça s'appelle? Non, tes miles pour Athéna ils ne fonctionnent que si tu tournes avec. Ah non, il faut que t'aies une quête Athéna active et le drapeau. Moi je sais plus. Enfin, en attendant, on n'a pas de l'Athéna là. Non, non, c'est ça. Il y a genre kilomètres en. Il y a les miles pour les quêtes Athéna et il y a les miles pour l'émissaire d'Athéna. Bah, on est pas en Athéna, voilà. Donc on s'en fout de l'oignon. Mais
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une question d'oignon et de carage, c'est juste que qu'on est. Pour ajouter des 1000 nautiques en fait. C'est ouais, tout. C'est ça. En fait, mais que ce soit eux ou les marchands ou n'importe qui, hein, parce que je crois qu'il y a des 1000 nautiques de tout le monde. Donc là, même celui du Reaper, on peut les prendre, ceux du Reaper ou Shreaper. Et Reaper, c'est pas le truc qui nous fait voir sur la map ? Oui, si, si. Non. Non, c'est il faut porter le drapeau rouge. Alors, par contre, il est où le trou de l'île ? Là où il y a les quais et tout, comme ça on pose tout là, sur c'est là où tu quais. Vois la faible lumière rouge là. C'est le petit quai là, je sais pas si tu vois le petit quai à droite là. Il est juste à droite là, barre à droite, barre à droite. Tu le vois barre ou pas ? Barre à droite toute. Ouais, ça y est, j'ai vu le tout petit quai là. Yes. Tu t'occupes des voiles, Knarf ? Non, parce que je suis en train de faire de la cuisson, monsieur. Par contre, je suis en train de remonter du loot sur le pont. Au pire, est-ce que tu peux les mettre carrément sur le bout du mât, devant ? Je relève les voiles ? Ah, tous les loot ? Ouais, vas-y. Ouais, sur le nez, carrément, sur le pic du nez, là. ouais, tu vas poser le nez direct dessus. Bah, ça va être à peu près ça l'idée, hein. J'ai relevé mon capi. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique à faire, mais bon, si tu veux, hein. Qu'est-ce que je veux dire ? Je vois des loots qui brillent sur cette plage. Il y a... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a des ouais. trucs qui mais brillent. N'oublie pas qu'avant de vendre, il faut que tu votes le drapeau. Oui, oui. Monsieur. T'inquiète pas, mon ami. Hein. Ah, je suis parti avec un coffre-boîte. Il y a une caisse de stockage. Ouais, le truc qui brille vert, tu t'en carres l'oignon. Enfin, on s'en carre l'oignon. Il est où mon nez là ? Et où qu'on vote ? Hein ? Non, c'est pas là qu'on vote. Mais c'est par où qu'on vote ? Ah, t'essayes de gratter comme ça ? Bah ouais, frérot. Ah, j'ai, ouais. J'ai pas de licence d'émissaire, vous en avez une, vous ? Ouais, j'arrive. Voilà. Et là, normalement, tu jettes l'ancre. Génial, on va avec la caisse de stockage que je ramène, on a 25 planches, mais on a pas un seul boulet. Et voilà. Bah on est bien, là ! Allez, vas-y, viens voter. Merde, attends, il est où déjà, lui, son truc ? Il est devant lui. C'est bien ce qui me semblait, c'est l'émissaire qu'on voit sur la carte. Ah, on est repéré là ? Ah oui, là on est là, je pense qu'on est bien visible. Ouais, écoute, on sera visible 3 minutes et puis voilà. Merde, j'ai raté mon truc. Ah oui, mais par contre, je sais pas s'il prend le coffre cendré de ses morts là. Je crois qu'il prend tout, hein. Non, je pense pas qu'il prend les trucs coffre cendré, tu crois qu'il prend ? Bah cendré, oui. On essaye, hein, mais. Mais il non, me Non, mais je parle du contenu du coffre cendré surtout. Il y en a un qui est ouvert. Il y en a deux qui sont ouverts. Les deux sont ouverts ? Ouais, il y avait deux clés. Ah, bah je crois qu'il y en a un qui est pas ouvert. Donc méfiez-vous, parce que je crois que vous venez d'en vendre un. Non. D'accord, donc c'est moi qui ai juste passé un c'est juste moi qui ai passé un palier de réputation et qui vient de gagner 10 bouliches. Ce qui fait que je suis revenu à nouveau à 6666 doublons. Non, c'est moi qui ai vendu un crâne de rituel. D'accord. Je suis quand même revenu à 6666 les crânes. Oui, non. Je m'en fous de vos coffres. Moi, je vends les coffres qui sont en bas. Comme ça, je sais que je vais pas faire de conneries. Ouais, pas de soucis. Par contre, m'excuserai, mais ça me stresse vraiment. Donc, il va dégager tout de suite, lui. Hop. La caisse de stockage que vous avez ramenée. Oui, je l'ai un peu posé à l'esbeul, là. Ouais, pas de soucis. Bah voilà, niveau 24, c'est bon ça. Ah, mais putain. Mais tu t'amuses pas à sauter sur le bateau là, si ? Et moi ? Bah, moi, il faut que je prenne les. Regardez sur le. Juste avant de sauter, je vous ai mis des coffres, des machins. Je suis en train de vous poser des trucs au bout. Ouais, mais du vu, coup, j'ai moi, vu. Je remplissais mon coffre-boîte. Moi, je fais des allers-retours avec mon coffre-boîte depuis tout à l'heure. Ouais, ah, excuse-moi, je t'ai posé un rubis hein, dans les boîtes à ça, la con. Hein. Tu feras gaffe. Bah tiens, du coup, je t'ai posé un coffre-boîte, remplis-le. C'est bon. En train de vider le truc. Me faire chier, faire des allers-retours déjà. Merde, dégage. On l'a vend la caisse de feu artifice ?
Ouais, tu vends tout. Ok. Tu peux la brader. Merde. Le petit saut de nain là. Un petit peu chiant ça. Rater le bout, j'arrive pas à la viser. Il vient de me piquer mon crâne. Ah tiens, voilà un. Ah, j'arrive pas à te mettre dedans. Alors, je veux pas dire les gars, hein, mais vous avez fait cramer du requin. Oui, parce que j'étais en train de vous aider, du coup, ouais, y a du requin qui a cramé. D'ailleurs, faudrait quand même le retirer, parce qu'en fait, je suis en train de me dire, ça fout le feu au navire. T'inquiète, je vais le récupérer. Merci. C'est que j'entends depuis tout à l'heure et je me dis, mais c'est pas normal qu'il y ait un truc qui fasse, enfin, qui cuise depuis tout à l'heure. Je dépose les coffres à l'entrée, Knarfin. D'ailleurs, dans les choses intéressantes à faire là, avant de se tirer de cette île, là. Il y a un easter egg ici, d'ailleurs, je suis en train de penser. Ah, alors déjà ça peut être intéressant. Et ensuite, faire le tour, boulet de canon. Ouais. Ouh. Faire un petit tour comme ça, vite teuf. Putain, j'aime pas ce bruit là. Ah, mais il y a encore des boîtes en bas. Oula. Ah, il y a encore plein de choses en bas. Il y a de la boîte. Regarde, je te mets ça sur le nez. Attrape-moi ça. Ah bah du coup, moi je t'aide à faire les allers-retours parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Moi, pendant que vous étiez en train de vous battre, j'en ai fait quelques-uns allers-retours. Hein. Eh mais il est ultra long à monter le valeur d'émissaire là. Non mais là il montera pas parce qu'on fait que vendre. Faut loot. Fallait le mettre avant qu'on parte. Quand on a grabé tout, fallait venir ici, le mettre. Je vois parce que ça monte quand même, on est quand même à 26 000 donc. Non, mais ça, le fait que tu lui vendes, oui, ça va augmenter les sous parce que tu lui vends à lui. Ok. Ah oui, tu parles de la valeur d'émissaire qui monte. Ouais. Ouais, mais je crois pas que les loot le fassent monter en fait. Enfin, moi je la vois toujours à zéro, je crois pas que le loot fait monter le. Bah, je suis à 28 000, moi aussi je suis à 28 500. Oui, mais regarde la valeur, la jauge. La jauge, je parle. La jauge, elle bouge pas. Ah oui, non, elle montera pas. Ouais, c'est ça, parce que je crois que c'est le seul où il faut aller piller des gens, tuer des FDP ou des trucs comme ça, je crois. Bah, ou même, tu vois, les grabes comme on a fait là. Je vous l'annonce, il est possible qu'à tout moment je ne sois plus là parce que j'ai un orage qui est en train de me tomber sur la gueule. Oh, elle a de la chance. Pas trop, non. Si. Je pourrais le foutre sur le si j'avais Ah merde, c'est retombé en bas. Oh merde. Ah, t'as fait la même. Bah ouais. Bon. Bah, pourtant j'ai déposé à côté, hein. Je l'ai pas déposé sur toi. Putain, promotion obtenue, grade 1. On a plus de crâne ou de petites merdes à vendre. Que j'embarque le coffre là qui est ouvert devant. Je sais pas. Je sais pas ce que je suis en... On est encore en train de récupérer ce qu'il y a en bas là. On the calas. Et puis si jamais il y a encore d'autres trucs, je ramènerai le coffre. Non, ça a l'air d'être bon. Bah, on peut voter pour baisser le pavillon. Hein. Oui. On a fini. Donc on peut pas lui vendre des trucs cendrés. Je sais pas, j'ai pas essayé. Vous voulez essayer ou pas? Vas-y. Bah prenez un truc avec des crânes rituels machin, vos bouquins et tout. Et puis, voilà, on peut pas lui vendre une caisse de stockage. Après je sais pas si toi Sashida t'as besoin d'aller les vendre plutôt. Je m'en fous. Je m'en carre l'oignon mon petit père.
Le crâne des rituels, je sais qui les prend parce que j'en ai vendu un. Ouais, les trucs de Satan du Diable rouge aussi, il doit les prendre. Bah, il prend tout. Bah, il prend tout, hein. Ouais. Ah, et puis, vas-y, vends-lui le coffre-boîte, hein. Mais coffre-boîte, on... D'accord. Bah, on s'en fout. En fait, il valait mieux garder celui qui valait de l'or que ceux-là qui valent normalement des doublons. Il est gardé, celui qui vaut de l'or, hein. Il est sur le lit à sa place. Voilà, on garde juste celui qui vaut du pognon. Mon bateau, il ressemble à plus rien. Ah bah non, il a pris cher ton bateau, là. Si, il y a bien un coffre cendré qui n'est pas déverrouillé. Oui, oui, mais c'est ce que j'ai dit, j'en ai déverrouillé deux coffres. D'accord, d'accord. Allez. Bon, je suis en train de regarder où est le... Easter Egg. Je crois qu'il est sur la plage en face. Bah, il me semble, mais je voulais savoir ce que c'est exactement. Voilà. Ah, des doubloons, ça faisait longtemps que j'avais pas gagné des doubloons. Et pendant que tu regardes ça, moi, je vais faire le plein dans mes poches. Trouver des boulets de canon. Et des quêtes. Et des pleins de boulets de canon. Ou d'autres choses que de boulets de canon. Parce qu'il y a plein d'autres choses que des boulets de canon. Putain, pas ce truc. Ok. Bidibidipip. Vous avez 15 nouveaux messages. Du boulot, c'est ça? Si c'est mon directeur, je pète un boulot. Selon un vieux livre a été abandonné sur Reaper Hideout. Vous visitez ce bivouac à vos risques et périls. En gros, il y a un bouquin à chercher. Il y a un sloop au loin qui vient pas vers nous. Je crois que je l'ai trouvé. Ouais, c'est ça. Ah, bah c'est Guitar Bird. Il est à gauche. Quelle gauche? La gauche de là où toi tu allais. C'est ta gauche. Genre, je te rappelle que je vois les pseudos à travers. Genre l'extrême gauche. Vas-y, traverse, là, tu me vois? Bah ouais. Là-bas derrière. Oh. À l'ancien campement. Tac, 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 tac. Je crois que je l'ai déjà, mais je suis pas sûr. Écoute, hein. Hop là. Une fin inattendue. Ah, c'est celui avec le... Oh tiens, il y a un coffre qui brille là, les gars. Eh, rends-moi mon bot, toi. Rends-moi ma boîte. Bah tiens, pour la peine, allez, remplis ta boîte. Je l'avais déjà. Tac, 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 tac. Déjà vu. Déjà vu. Hein? Pourquoi j'ai eu un coffre-boîte là dans les mains? Rigolo ça. Non, c'est un caisse de, une caisse de stockage. Ouais, une caisse de stockage. Bah parce que tu t'as ramassé ma caisse. Comment j'ai fait ça? J'étais en train de lire un bouquin. Bah mais avant. En appuyant sur F. Pour lire le bouquin. D'accord. Bah écoute, j'ai gagné ta boîte. Merci pour ta boîte. Ouais, moi j'ai gagné le droit de faire un trou dans mon bateau. Pourquoi faire? Un trou dans ton bateau. Mais pourquoi faire? Bah comme ça j'avais envie. Mais y a pas déjà assez de sa coque était si impeccable. Voilà. Tu sais qu'habituellement on peint les navires avant de les mettre à la mer. Non mais ça va, je t'informe hein, parce que bon. Oh là, je sais pas viser moi. C'est bien de mettre des planches, c'est bien aussi de les peindre quoi. C'est moi que tu visais. Espèce de trop de pelle. On n'a pas de boulets de canon et vous êtes en train de gaspiller des boulets de canon, c'est vraiment ça votre délire. C'est mais vraiment j'ai lâché 7 des boulets de canon. Eh hey, t'es où Michel? Attends, il est où? Tu sais qu'il est le moche. Ah il est là. J'ai vachement un boulet de canon dans la main mon capitaine. Ah, enfin mon matelot. Moi je le tire au bâton. Ouais, bâton qui brille. J'ai compris, ouais. Ouais, j'ai vu, c'est bon, j'ai compris. Bon, on baisse ce pavillon, on y retourne. Ah, si, baisser le pavillon, non? Non. Bah, enfin, je peux te dire qu'on brille toujours. Bah, j'ai votre aide. J'ai votre aide, non? Si. Même, il faut être deux.
Ah, c'est moi qui ai lâché le premier vote normalement. Attends, vas-y, bah, je vais attendre, c'est peut-être y moi y de vous deux qui a voté. Ouais, ouais, bah écoute. Hop, c'est bon, il n'y est plus. Ouais, c'est bon. Eh merde. Okay. Let's go. Ah, je reviens, je vais voir si j'ai pas de l'eau dans la maison vu comment ça pleut. Bon, ouais, c'est le moment de faire une petite pause YouTube. Parce que je fais des épisodes assez... C'est de la merde ça. Moi ça part de dessus, au secours. Ah oui, il faudrait qu'on aille en C4 bah, sur un avant-poste acheter une clé cendrée, je pense. Ou un truc comme ça, peut-être. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je me recoule. Ah, c'est pour tourner? Non, c'est pour reculer. Mais moi, je mets simplement la barre à droite. Et j'attends que le bateau y fasse le taf. D'une manière ou d'une autre, il reculera par la gauche ou par la droite. Des fois, faut bon contrebraquer, mais il finit par se pousser tout seul comme un grand. Okay. Ah, là, on commence à avoir un peu de boulet. Voilà. Là, par exemple, on tourne très lentement parce qu'on est en train de se frotter les miches contre un banc de sable. Mais on tourne. Ouf, oh, voilà. Les plans de chasse. Plans de chasse, ouais. J'ai fait la max. Hein. Sinon, on fait une. On se fait une forteresse. Hein. Moi, tu fais ce que tu veux, mais je vais faire déjà la pause pour ton tube. Au revoir, ton tube. Des oublis. Au revoir, ton tube.